Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces. Je fais des recettes, des expérimentations et parfois des challenges pour aider à vivre en mode keto, c'est tout, sans se prendre la tête. J'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est pas la grande forme, mais ça va aller, ça va aller. Pourtant, ce mois, c'est mon mois de fête. Et donc, ça a eu lieu en début de mois et c'était très bien. Ma famille m'a fait de belles surprises. Nous avons fait une petite sortie au resto et j'ai bien aimé les cadeaux que j'ai eus. Et voilà, donc, malgré la grippe, c'est un bon mois. Alors, pour cette vidéo, je l'ai tournée il y a quelques jours. Et je pensais en fait refaire une vidéo où je montre une journée type keto dans mon assiette, ce que je fais et bon les grandes lignes et surtout ce que je mange. J'ai aussi fait les courses parce que c'était un vendredi. En général, je fais le vendredi et donc je montre un petit peu une idée de mon épicerie, à quoi ça ressemble. Les affaires keto ou non keto pour les autres de la famille. Donc, c'est ça. En fait, je vais vous laisser voir et j'espère que ça va vous inspirer, que vous allez avoir des idées par rapport à ce contenu. Et si vous aimez donc un tel contenu, si ça vous parle, si ça relate avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Alors, je vous laisse regarder ça et à tantôt! Je commence ma journée avec l'étude de la Bible et la prière parce que c'est important pour moi. C'est en fait pour moi la façon de faire le plein d'énergie. Et puis tout de suite après, je fais des travaux dépendamment des projets sur lesquels je travaille. Je travaille donc très tôt le matin quand tout le monde est endormi, quand tout est calme. Je suis bien concentrée. Et c'est suivi de l'exercice. Donc, je suis le programme de Team Beachbody. Donc, c'est plusieurs DVD et dépendamment du DVD sur lequel je travaille, j'essaie de bouger le corps juste pour rester active. Et ça me donne aussi plein d'énergie au niveau de mon corps pour pouvoir être productif durant le restant de la journée. Mon premier repas aujourd'hui, j'ai voulu changer un petit peu avec mon pain keto. J'ai fait une tartinage à l'avocat et j'ai aussi mis du bacon dessus. Donc ce bacon, je pense que je l'avais trop cuit, mais c'était très très bon quand même. Donc j'ai mis ça dessus et l'autre c'était des œufs durs simplement et c'était vraiment très bon. Et ce bacon, on va le poser un peu brûlé là. Alors voilà notre lunch. Il reste juste à mettre du piment et voilà, je vais aussi me faire un petit café. Yummy. Ça fait du bien. Very good. Le bacon est trop cuit. Mais c'est bon quand même. Alors, le temps des courses ce soir, je suis allée au Costco et à un autre magasin. Donc, j'ai fait l'épicerie et je vous montre ici quelques viandes. On parlait des viandes qui coûtent de plus en plus cher.
Donc, dépendamment des besoins, j'achète et puis j'organise mes repas pour le futur. Donc, c'est un petit peu ça ma stratégie. Alors, on a ici quelques affaires keto-friendly et aussi pas keto-friendly. Ici, c'est les légumes de la semaine et des petits. Ici, c'est mon lait d'amande. Ça, c'est les fruits, le jus pour les enfants. Il y a des chips, il y a des légumes, du fromage aussi. Ici, on a les œufs. Et j'ai aussi un dessert pour les enfants que j'ai acheté au Costco. Et un petit la viande hachée et j'ai préparé la viande. Voilà, donc c'est à peu près ça mon marché. C'est pas grand-chose, mais les choses sont devenues très très chères. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Alors, j'ai ici les ailes de poulet. C'est pour un repas. C'est autour d'un kilo trois. Vous voyez ici, il y a, c'est un rabais, c'est pas grand-chose, mais quand même. Tout dollar compte de nos jours, un kilo trois. Et ici, j'ai 2 kilos 6 à 26 dollars. Ça, c'est Costco. Ça aussi, c'est Costco. Ça, c'est une viande qu'on aime beaucoup chez nous, les côtes de dos, ribs, les côtes de bœuf. Donc, c'est bien aimé ici. Donc, ça, c'est les viandes keto-friendly. Comme je disais, ma stratégie, ça finit presque. Donc, j'ai acheté et cette viande, ça fait 4 repas. Donc, autour de 650 grammes par repas et ça reste. Donc, c'est largement suffisant. Mais ça, c'est vraiment pour des jours spéciaux, un peu comme le week-end. Parfois, le week-end, je fais une viande spéciale. Et donc, ça, c'est juste, ça, c'est tout pour un repas. Et ça aussi. Donc, j'achète comme ça là. Et c'est pour les repas du futur. Les repas vraiment du futur. Il n'y a que ça, parce que ça, c'est beaucoup aimé. Je vais changer mes plans de demain et je pense que ça, je vais faire demain. Mais les autres, c'est vraiment, c'est pour des jours à venir. Voilà. Alors, pour ce soir, j'ai ici un McDo sans buns. Juste la viande. C'est pas le plus clean du monde, mais bon. C'est ça quand on a cuisiné. Et j'ai ici mon bun keto que j'ai fait. Donc, je vais manger avec ce bun keto que j'ai fait. Donc, c'est ça pour ce soir. Je suis un petit peu grippée. Voilà, miami.